Et bien le bonsoir, et on se retrouve sur du lancement Final Fantasy. C'est pas tout à fait Final Fantasy, puisque là on est toujours bloqué à l'écran de chargement des personnages. Le monde est plein, je suis le 564e joueur en attente. Vu que j'ai lancé le stream et que je sais pas encore combien de temps ça va prendre, bah je vais faire un peu le show et voir un peu réfléchir à ce qu'on va faire. Résumé peut-être. Yo, mais yo! Salut, salut! Résumé peut-être un peu ce qu'on a fait au dernier stream sur Final Fantasy. Je suis tombé un peu par hasard sur une quête. Une quête un peu particulière et soit dit en passant, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres du même style, parce que franchement, c'est une quête vachement prise de tête. Hein. Je dis pas le contraire, mais Maxou était avec moi, donc il pourra confirmer. C'était de la prise de tête, hein. Il fallait réfléchir. C'est une quête en fait qui nous indique absolument pas où on doit aller. Il faut suivre des indices, il faut les décrypter, les indices, et c'était vachement sympa. Je continuerai cette quête si Maxou est avec moi, puisqu'il a participé à une grosse partie du début, enfin à tout le début de la quête, et j'aimerais autant qu'il puisse profiter du dénouement. Donc voilà, donc s'il est parmi nous, qu'il se fasse entendre, sinon ben on a d'autres choses au programme, notamment l'XP du pugiliste, donc c'est le même personnage, hein, mais donc j'avais commencé à faire du leveling sur le pugiliste. L'objectif c'est toujours atteindre le niveau 15 pour commencer à faire un peu des donjons. Parce que c'est bien beau tout ça, mais on va se bagarrer un peu quand même. Et puis voilà, si j'ai d'autres idées en cours de route, ça pourrait être sympa. Si vous en avez qui pourraient être sympa aussi, faut pas hésiter à les balancer. On est là pour un peu découvrir les secrets cachés du monde des Orzea. Je vais me remettre... Hop, voilà, je me suis remis sur le Discord en version audio. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur le Discord, bien le bonjour Yuki. Bien le bonjour. Bon. Qu'est-ce que je pourrais trouver à meubler ? Alors. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'y suis pris plutôt... Ouais, non, mais je sais, mais je m'y suis pris à 9h moins 20, et vu que les 3 jours précédents, en général, il y avait 300 ou 400 personnes, je me suis dit, je vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait pareil, vu que c'est les vacances. Et au final, il y avait plus de 1400 personnes devant moi. Donc, voilà, c'est encore de ma faute, j'aurais dû m'y prendre à l'avance. Donc j'en profite pour placer un petit placement de produit. Voilà, ma femme fait des très jolies très jolies petites réalisations en pâte Fimo. Donc voilà. Elle m'a fait le logo de ma chaîne. Je sais pas si j'ai un bon éclairage pour le montrer. Voilà. Et puis un petit panda, parce que les pandas c'est trop joli. Voilà. Non, je suis très fier du travail qu'elle fait. Elle fait des trucs plus aboutis aussi, mais donc voilà. Quand on a envie de montrer sa fierté pour quelque chose, il faut pas s'en priver. Alors, je suis 475e. Voilà. Et sinon, comment ça va? Parce que Meio, ça fait quelques temps qu'on t'avait plus vu sur le stream. T'as terminé la période d'examen et de correction? Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas être dans la liste d'attente et en même temps faire un autre truc. J'ai téléchargé l'appli, mais je vois pas ce à quoi ça pourrait me servir dans l'immédiat. J'en profitais que je suis là pour aller refresh un petit peu Gabi, pour éviter qu'il ne répète toujours les mêmes zéaneries quand même. Hein. On va refresh un peu tout ça. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors...
s'est déjà fait déconnecter. Coucou. Alors 415, ça avance, ça avance. J'espère que ça va pas remonter, parce que si ça remonte là, ça va être un peu problématique. J'ai quand même hésité parce que la fin de soirée sur le team fight hier a été fort riche en enseignements et en bons moments. Et j'aurais bien été retenté quand même de continuer. Même si j'ai pas spécialement envie de trop faire dessus, il va falloir que je me discipline à ce niveau-là. Parce que c'est franchement un jeu pas trop mal une fois qu'on a compris un peu les mécaniques de base. Les subtilités viendront un peu après. Le jour où j'aurais pas envie d'être trop actif et de faire un jeu un peu plus posé. Enfin posé, il y a quand même un timer, donc c'est limite un peu au niveau posé. Mais... ...385e... Allez, on y croit. On s'accroche. Allez, quand tu veux, 355e. On y va. Ce que je comprends pas, c'est que le jeu Final Fantasy XIV, les tests et les avis, enfin là je suis sur un seul site, mais je m'attendais à plus quand même en arrivant sur le site en question. Final Fantasy XIV, une série live action en préparation chez Sony Pictures. Ok, ouais. Vu qu'on attend pour se connecter sur Final Fantasy, on va voir un peu ce que ça raconte. Une série en live action. Ça fait déjà peur. Ça date de quand ce truc? 28 du 6 2019, ouais, donc c'est quand même vachement récent. Malgré ses débuts un peu difficiles, Final Fantasy XIV Online. Ouais, les débuts difficiles, ouais, on connaît. Pour moi, c'est le MMO le plus abouti que j'étais jusqu'à présent. Pour être tout à fait franc, je pense que moi aussi. Peut-être pas dans toutes les formes... Enfin, peut-être pas dans toutes les options possibles, parce que je trouve que... En termes de contenu, en termes de lore, en termes de développement des personnages, en termes graphiquement, musicalement, enfin c'est clair que c'est un jeu extrêmement abouti.
Ouais, le meilleur histoire en solo, ça c'est indiscutable. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé des MMO qui étaient assez sympas en termes de gestion de. En termes de gestion pure des équipements qui permettaient de faire quand même autre chose. Là, ici, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'au final, une fois que j'arrive en endgame, une fois que, enfin, je connais pas, hein, je connais pas, donc je peux pas certifier à 100%, mais ici, la priori que je jouerais en faisant mon leveling, c'est d'arriver au dernier niveau et qu'il y aurait rien à part l'apparence de mon personnage qui me distinguerait d'un autre perso qui aurait fait la même classe que moi. Donc j'ai un peu peur qu'en termes d'abouti, enfin je connais pas le jeu en game, donc je saurais pas dire si c'est ce qui va se passer. Donc ça va être un peu la petite chose à découvrir. Ici j'ai freiné un petit peu mon leveling avec mon tank. Bah parce que je vais être bloqué au level 63. D'un autre côté, je pourrais essayer d'optimiser tous mes équipements pour le level 63, hein, ça serait intelligent. Mais j'ai pas envie d'aller trop vite parce que je sais pas si je saurais passer tout de suite à la prochaine extension. Parce que financièrement, ça va être un peu compliqué de. Parce que je vais déjà devoir repasser, enfin, refaire mon abonnement. Donc il va déjà falloir que je prenne ça en compte. Et à l'extension suivante, je sais pas combien elle est, je vais aller voir. Bah, c'est clair que c'est un des meilleurs MMO auxquels j'ai joué. Stormblood, qui est l'extension suivante, elle est à. Stormblood, 177, ça avance, ça avance. Square Enix, je m'en fous un peu en fait. 177. Alors, Stormblood, Final Fantasy 14, c'est pas le son. Mais moi je veux juste le jeu. Ce qui est dommage, c'est que l'édition complète. Ouais. J'aurais peut-être dû réfléchir avant de me lancer. Peut-être voir un peu ce qu'il y avait de meilleurs compromis. Parce que je vois que l'édition complète était à 40 euros. Alors, Shadowbringer, Merchandise.
87e, attention, on y est presque. Pourquoi sur le site de Square Enix je peux pas acheter je peux pas. Enfin je le trouve pas. Stormblood. Il y a la version de démarrage. Il y a la version complète. Je ferai ça à tête reposée un peu plus tard. 57e. Bon, je pense pas que Maxime sera présent ce soir. Je sais pas, je vais peut-être lui demander. Tiens, ah, j'ai pas mangé, ça me portait. Tant pis, c'est pas grave. Moi. J'ai acheté le jeu complet d'un coup. Enfin, j'ai Starter Pack plus Shadowbringer. Ben moi, j'ai acheté le Starter Pack, mais qui avait juste Aureal Reborn. Et j'ai profité de la période où Evansward était gratuit avec. Donc, moi, je n'ai que Aureal Reborn et Evansward. Et je n'arrive pas à trouver sur leur boutique Stormblood en fait, c'est ça qui est un peu bizarre. Je vois Shadowbringer, mais... Ouais, voilà. On est parti. Le jeu se lance. Normalement, si je me rappelle, on va être tout en haut du mât de proue d'un navire. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est un mât de proue, mais en tout cas c'est le gros bout de bois qui est à l'avant du bateau. Alors, je suis toujours en haut du mât. Premier pas à la guilde des surineurs, à la guilde des arcanistes, à la guilde des pêcheurs. Je tombe très bien aussi surineur par contre. Parce que les pugilistes, c'est... comment dire? C'est plus les arts martiaux. Armes de poing. Enfin, arme de poing, on s'entend, donc je sais pas, je testerai peut-être. Alors, ici, donc j'avais soit le choix entre continuer l'aventure, mais j'aimerais bien la continuer avec Maxou, si possible avec tout le monde, parce que c'était vraiment une quête qui nécessitait plein de cerveau. Donc ici, Yuki, comme toi tu es en jeu, tu as créé un autre perso pour venir sur Ragnarok. Ok, tu sais me donner le nom? Yukishide, ok. Ouais, forêt centrale, niveau 12. Voilà, je t'ai envoyé une requête d'amis. Tu es niveau 12, et tu es quelle classe? Tu es maître d'As, c'est juste, tu me l'avais dit. Ouais. Niveau 12. Ah bah, niveau 12, je vais venir avec mon pugiliste. Si t'as envie qu'on fasse ensemble. Là, je suis. Ouf, ah oui. Je sais pas si tu as eu le temps de voir le replay, mais je suis en slip et en lanière de cuir. Hurra. Tu es à la forêt centrale.
Ah oui, le j'avais fait un petit comment dire, j'avais fait un petit temps fort où justement on me voyait dans mes œuvres. C'était très rigolo d'ailleurs. Reste plus à trouver l'endroit où tu te trouves. Ah, tu regardes une cinématique, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est peut-être pour ça que t'es pas visible sur la carte, parce que t'es en pleine cinématique aussi. Je suis level 13. Oh, on a du même level, hein, c'est cool. Juste à côté. Hello. Bah écoute, je te suis. Je vais peut-être prendre les quêtes en fait. C'est des quêtes level 10. On sait les partager. J'allais te le demander en fait. J'allais te le demander. Quête level 10. Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse. Je n'ai pas. Enfin, en tout cas, j'ai aucune quête ici que je puisse partager. Oh, c'est pas grave, hein, je te suis et puis je vois si. Ou j'essaye vite de te rattraper. Je sais pas, tu es sur quelle quête là en ce moment. Je suppose que c'est la quête principale ou c'est les quêtes secondaires? Trois quêtes. La quête principale, ouais, ça de base, mais ça je vais te suivre hein, puisque moi je suis déjà plus loin. Ok. Ouais, je vais te suivre. Oh, je tue, à mon avis je vais papillonner un peu tout autour si t'as besoin d'un coup de main ou quoi. Là je vais faire l'homme qui murmurait à l'oreille du chocobo. Si
tu sais s'il y a des quêtes un peu plus folkloriques pour ton stream. Ou des donjons. Mais les donjons bas level, c'est level 15, donc moi j'essaye de me dépêcher justement pour pouvoir faire du leveling en donjon avec ce perso-ci. Puisque enfin, faire les quêtes secondaires c'est bien, mais c'est principalement aller porter ci, aller porter ça. C'est un peu saoulant, je veux dire. Donc voilà, mais la quête que j'avais faite hier, au stream précédent sur FF, elle était vachement sympa parce qu'elle te donnait aucun indice de ce que t'as à faire. Et tu devais chercher par toi-même, on a dû aller chercher sur l'application, sur l'application smartphone, on a dû aller chercher sur le net et tout ça, puis il fallait faire du décodage de code, donc si on n'est pas doué pour ça, c'est déjà pas évident. Mais on a réussi à trouver. Enfin, ça nous a occupé facilement 2h30 et on est loin d'avoir fini cette quête là en fait. Donc ouais. Il y a des quêtes, il y a des quêtes pour les streams. J'ai vu que Maxou était connecté sur le Discord, mais il a pas su rester à mon avis. Il est en vacances plus d'un mois le Savigo. Ouais mais c'est pas de sa faute, c'est pas vraiment des vacances, c'est plus du chômage forcé hein. Le pauvre. Il faut en profiter. Là t'as peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre quand même. Je vais mettre Chocobo en healer. Enfin Chocotof. Je vais mettre Chocotof en healer. Il est en train de mourir. Hop, hop, hop. Vas-y Chocotof. Kill toi. Heal for your life. Ah, je suppose que ta quête elle est faite. Je sais pas si
et à votre service. Si jamais tu retournes pas, il y a un mec en slip qui est en train de te courser. On dirait un village people. Hein, un village people. Ouais, ben ça va, ça va. Suivre dans ta quête de récolte et palpitant, palpitant. Ah là c'est de la baston. J'ai déjà fait cette quête là. Fais-moi le malin. Une zone vie, une zone vie. Oh, j'ai des quêtes là-bas. Toi là, diseuse de quêtes de bonne aventure. Tu me veux quoi, Marcette? Besoin de quelqu'un assiste dans ses recherches. Obtenir des chapeaux de veste de crapaud. T'es parti dans l'autre sens. Je vais vite faire cette quête là. Et hey, elle joue aux cartes. Elle joue aux cartes. Ouais. Alors, règle locale, bonus, aucune. Règle initiale, chaos et aucune. Ok. Alors, je fais vite une petite partie. Hein. Non, quel genre de carte elle a? Oh la vache, elle commence direct avec Odin 881 quoi. Oh merde, j'ai un bonus. Merde. Merde, il a un bonus. Oh là là. Ça commence déjà mal, ça commence déjà mal. Putain, mais c'est quoi ces cartes là? Ramu 8881 quoi. Mais comment c'est des PNJ, mais ils ont la blinde de trucs quoi. Ok, là je me suis fait méchamment laminer quand même. Ça sert à rien de tenter parce qu'au final elle a des cartes plus puissantes. Vraiment falloir que je ferme les cartes. Oups, c'est une quête trop haute pour moi, c'est des level 29, il faut que je prenne le temps de regarder le level des mobs que je tape. Parce que là c'est problématique. Comment les chocobos? Alors, pour avoir les chocobos, il faut que tu rejoignes une compagnie, une des grandes compagnies. Et en fonction de la grande compagnie, tu as une quête à un moment donné qui te permet d'obtenir une monture. Je pense que c'est un chocobo, mais qui a un symbole sur l'aile différent. Et à partir de là, voilà. Et les grandes compagnies, tu as celle de... Donc tu as Nocea, qu'est-ce que je raconte? Tu as Gridania, tu as Limsalominsa et tu as Ulda. Moi j'ai fait celle de Gridania, donc les deux vipères.
Et je peux aller te montrer où ça se trouve dans la ville si jamais tu veux aller voir. Ah, c'est une quête en fait. Il faut aller se présenter là-bas pour pouvoir intégrer leur compagnie. Et à partir de ce moment-là, il faut faire quelques suites, enfin quelques quêtes et suites de quêtes. Et à un moment donné, quand tu seras suffisamment loin dans le début de leur quête, eh ben ils vont te proposer une quête pour les chocobos en fait. Normalement, c'est accessible à partir du level 20. Moi, j'avais pas trop compris le système, donc j'ai commencé à le faire qu'au level 30. Mais normalement, c'est accessible au level 20. T'es où? T'es où? Je parle et puis j'oublie de te suivre. Je dois parler à des PNJ. Ouais, non, bah, pas de soucis. Moi, je me balade. Ça va pas être une partie de ultra folichon, ouais. Je suis pas pote. J'aurais pas dû me mettre en Final Fantasy au tag de ma vidéo, j'aurais dû me mettre en Just Chatting. Là, c'est dans ces cas-là que je devrais faire de la récolte en fait. Ouais, d'un autre côté, faire de la récolte, ça va me remettre à un niveau inférieur, donc ça sert à rien. Je me demande, tiens, si à partir du level 15, dans un métier de récolte, on a accès au donjon avec le stuff de récolte. Ce serait marrant. Et inutile, totalement inutile. Quoique, il pourrait faire des raids de farmer, tu vois, ou un mandat. Ah, les mandats, ouais, juste. Ah, il y a des mandats pour le farm. Ah, ça c'est pas con ça. Intéressant. Je sais pas ça, mais là je vais sur un mandat. Ouais, j'arrive. Je suppose que si c'est un mandat, il va me le demander aussi. Je vais te suivre. Je termine mon Acarus. Pas de quel genre de matelas ça vient, mais ça a l'air de faire mal. Tu l'as déjà pris le mandat, tu sais pas le partager. Partager le mandat track, ouais, ça c'est bien. Ça. Je savais pas qu'on pouvait déjà faire les mandats aussi bas level en fait. J'aurais peut-être dû commencer par ça pour faire de l'XP en fait. Il est où le troisième? Il est juste là-bas. Ça va, tu aimes bien la classe de maître d'Ast? C'est à qui que je dois rendre le mandat? C'est pas à elle? Ah, c'est validé automatiquement en fait. La carte verte sur la carte. Ah mais je pense que je peux pas faire les mandats ici en fait.
C'est qui Tom Cree? Tom Cree, pardon. Aux aventurières attachées à la guilde. À la guilde de quoi? Je me rappelais pas ça. Donc je peux t'aider pour faire les mandats, mais je gagne rien. Je trouve pas l'intérêt. Inscrire son animal pour les courses de chocobo. Je m'occupe des chocobos de course pour le compte du Gold Saucer. Vous aurez peut-être besoin de mes services un de ces jours. Ok, d'accord, mais si vous lancez pas plus d'infos, moi je sais rien. Je vais valider, dis-moi si tu gagnes quelque chose. Ok. Ouais, vas-y. Prends le mandat. Moi, j'ai rien gagné par contre. En fait, je peux pas faire les mandats de cette personne-là parce que j'ai pas un niveau suffisamment élevé pour leur guilde. Je sais pas la guilde de quoi en fait. Il me semblait que... Ah, mais je sais, j'ai pas fait les quêtes pour pouvoir faire les mandats en fait. La guilde des aventuriers m'a chargé de superviser les opérations de guilde, les missions difficiles. Ok, en fait il faut que je bosse. Ouais, en fait voilà c'est ça. Quand j'ai fait mon maître d'as, j'ai commencé à Gridania. Donc j'avais fait les quêtes justement au début pour pouvoir faire le mandat ici. Je vais vite aller faire le début du quête pour la guilde des aventuriers. Ça je pourrais le faire avec toi. Alors, Gridania. Gridania, la guilde des aventuriers de Gridania. Je fais les autres quêtes alors je laisse le monde. Ouais non vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon une fois que tu auras atteint un certain niveau, on va pouvoir aller faire la zone suivante. Donc, Bon allez, on se dépêche un petit peu parce que... C'est marrant parce que toutes les annonces de guild que je vois, c'est profiter de tout le contenu du jeu tranquille, sans prise de tête. Enfin là, il y en a une. Mais au final, moi je joue pas si c'est pour c'est pour me prendre la tête. Oh, un jeu de cartes! Règle locale, malus, 3 sur table. Oh, ça a l'air pas trop... Bon, alors on va tenter. Je tente, hein, les parties de cartes, je peux pas m'empêcher de le faire. Le choix, je vais devoir sacrifier une de ces deux cartes là pour pouvoir l'avoir lui.
Rajout des espoirs. Malus. Faut que je prenne ça en compte. Ouais, autrement dit, je sais plus rien utiliser du tout. Hein. Allez. Ah ouais, c'est vrai, il avait un malus. Mickey, con. J'ai joué, mais sans regarder ce que je faisais, en fait. Ok. Alors, où est-ce que je fais les mandats? Vous êtes au guichet des mandats où nous proposons aux aventuriers des tâches adaptées à leur capacité. Si Baderon vous recommande, je vous donnerai du travail avec joie. Il faut que j'aille voir Baderon. Baderon, c'est qui déjà? C'est pas celui qui a l'étage en dessous. En fait, il va falloir que je monte ma répute avec Gridania pour pouvoir faire les mandats dans la région de Gridania, en fait. Donc, Baderon. Je sais plus où il est. Je sais plus où il est. Baderon. Ça me dit quelque chose. Mune, je me souviens, parce que j'avais fait la blinde de quête avec elle. Et j'ai pas mon smartphone à porter, donc j'ai pas utilisé le... Je vais aller voir sur le net. Baderon. Basonnet, blablabla. PNJ événement. Il est à Limsa Lominsa. Je dois me taper jusque là-bas pour pouvoir être recommandé ici. Clique sur la ligne en dessous de la quête. Clique sur la ligne en dessous de la quête. En dessous de quelle quête? Parce que moi j'ai pas de quête en fait. Ah oui non, c'est pas ça, c'est en fait dans ce qu'elle vient de me dire, pour pouvoir commencer les quêtes. Donc pour pouvoir commencer les mandats ici, il faut d'abord que je sois recommandé par Baderon. Et en fait Baderon, c'est le mec qui est à la guilde des aventuriers, mais de Limsa Lominsa. Limsa Lominsa qui est là-bas. Bah c'est là que j'ai commencé à faire maraudeur, donc voilà. En fait il faut que je sois suffisamment recommandé à ma ville de départ pour pouvoir commencer à Gridania, je suppose. Je vais aller vite voir ça. Continue ton leveling, ta progression sans moi. Je vais pas te retenir dans le jeu. Hein. Je suis un poids mort. Continue sans moi, je vais te retarder. Je vais te rattraper de toute façon.
Ok, j'ai trouvé Baderon, mais il me lance pas des quêtes pour autre chose. Non, non, je suis tombé sur un guet-apens de cartes. Comment ça? Pourquoi je l'ai pas prise? Inversion? Inversion. Oh non, c'est pas vrai. J'y comprends plus rien. J'ai gagné. Alors, des quêtes, des quêtes. Aubergiste, chef instructeur, réparation. Il n'y a pas des mandats ici, si les mandats sont de l'autre côté. Justement, j'ai une quête. Ça propose de vous expliquer le fonctionnement des mandats de Guilbert. En fait, j'avais même pas encore commencé avec ce perso-là, les mandats. Donc, à mon avis, je vais pas savoir faire les mandats avec toi en même temps, puisque je commence seulement avec ce perso-ci à les faire. Donc, je vais faire de mon côté, et puis on verra. Alors, je dois aller parler à Trucmuche. Et je dois aller au Martinet. Oh oui. Mais c'est vrai que d'un autre côté, les mandats, c'est une manière facile de gagner de l'XP pour pouvoir déjà ne serait-ce que commencer les donjons. Et j'ai pas beaucoup exploré les mandats avec mon tout premier perso, donc c'est l'occasion de se pencher un peu plus dessus. Il a un nom, mais imprononçable, Suixgif. Je l'ai prononcé. Le mieux, c'est que tu en choisisses un parmi ceux disponibles et que tu t'en charges. Comme ça, on sera rapidement fixé. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Alors, ici. Ouais, alors, il est gentil, mais il m'en propose plusieurs. Donc, il me dit, tu peux choisir la quête que tu veux. Sauf que j'ai qu'une seule quête comme choix possible. Voilà. Alors, t'es ton mauvaise posture, un mégalocrabe choisira à coup sûr le bon niveau de combat. Hop, il faut que je me rende dans la petite zone juste à côté. Non. Donc, je suis dans la zone. Comment c'est le mandat? Ah, je vais devoir dégrouper parce qu'on saura plus lancer de mandat les uns. Enfin, vu qu'on est trop loin l'un de l'autre. Donc, j'essaye de te rattraper, je fais vite le mandat. Hop. Difficulté. Niveau recommandé, plus 3. Confirme. Quand même aller voir si je peux pas récupérer le coffre, on sait jamais.
Ouais. Non, le coffre a disparu. Dommage. C'est pas grave. La récompense est augmentée de 3 degrés pour la difficulté et pour la rapidité. Super intéressant. Super intéressant. Alors, estime qu'il est temps de vous parler des opérations de guilde. Parler à Tiroro. À Tiroro Ruana. De guilde. Obtenir des explications. Les opérations de guilde sont des contrats spéciaux émis par la guilde des aventuriers qui s'adressent aux disciples de la guerre et de la magie. Contrairement au mandat de guilde, elles s'effectuent en équipe dans des zones de combat instanciées. Max ou les mandats, une valeur sûre pour XP. Oui, j'aurais dû y penser bien avant. Le contenu et le lieu des missions diffèrent selon la nature des opérations, de même les récompenses obtenues en cas de réussite varient en fonction des performances des participants. Notez qu'un bonus en points d'expérience et en deals vous est accordé chaque fois que vous accomplissez une opération pour la première fois avec votre classe ou job actuel. Un autre bonus peut vous être octroyé si les membres de votre équipe ont été mis KO peu de fois. Ouh, homme de peu de fois, mis KO. Tiens Maxou, tu arrives à cette heure-ci. Ça va pas ça. Je t'ai vite connecté sur le Discord. Bon, on va essayer une opération de guild. Ah, petite interruption. Me revoilà. Alors, entraînement, groupe d'ennemis. Cet exercice de bataille testera. En réalité, c'est l'appli sur mon smartphone qui m'envoyait des notifs. Oui. Mais tu as bien fait de venir voir les notifs. Alors, apprenez à séparer des ennemis de leur groupe en les attaquant à distance et à les combattre hors de vue des créatures. Un tank, un soigneur, 2 DPS. Donc je l'ai allumé juste pour me décoder. Jour. Non, je t'ai dit Discord, j'ai pas dit Youngfus. Hey man, got a tab open for you to show support. Good luck on your stream. I gotta get back. Time 9. I'm going to be popping showing support. Thank you Youngfus for your passage on my stream. And thanks to allow me to speak English, it's a good try. It's a good... Comment qu'on dit entraînement? Allez, on va lancer. On t'a participé. Comment ça se passe? L'enregistrement pour participer à une mission a été effectué. Alors, durée d'attente moyen, 7 minutes. 7 minutes. Ok, 7 minutes. C'est toujours bien. Donc, bah là-dessus, Maxou, la petite quête qu'on avait commencé l'autre fois était une fois un aventurier. Je vais la garder pour un jour où je sais où tu es là dès le début de mon stream. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour la faire, un peu plus de temps pour y réfléchir. Parce que si tu te rappelles bien, le peu de qu'on ait fait la dernière fois, ça nous a pris facilement 2h30 pour y arriver et pour arriver à turbiner. Donc, je prévoirai peut-être un stream exprès. Vu que là j'ai commencé à faire les mandats. Ici je vais essayer de continuer un peu les mandats pendant que j'attends la mission de guilde.
Les mandats de récolte, ça consiste en quoi? T'as pas de mandat de récolte. Bouh. Ok, alors, extermination, le bruit et l'odeur, c'est pour les jobs de récolte. Oui, mais je sais, mais je voulais savoir en quoi ça consistait. Est-ce que je dois bêtement aller ramasser tel machin ou tel truc je sais pas, hein, je sais pas, je me pose une question à haute. On va faire le... Mission est prête, classe pugiliste. Let's go, people. J'en ramenais X bûches de chêne. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Bah écoute, c'est cool. Allez, petit dernier DPS, vas-y, vas-y, rejoins-nous du côté obscur de la lumière. La fin des dodos, c'est toutes des level 10 en fait, donc un des participants s'est désisté, l'outil de mission va effectuer. En fait, je peux tout accepter, voilà, hop. On va déjà faire ça, mandat accepté, ouais, ça on s'en fout. Allez, c'est parti. J'ai jamais essayé par contre. Où est-ce qu'on va être? Ah ouais, c'est une petite arène comme ça. On est quoi? On est 4. Éliminer tous les ennemis sans vous faire voir. On s'est raté. Ah non, c'est peut-être juste pour moi en fait. Je pensais pas que ça existait encore ce truc. Quel truc? Ce que je suis en train de faire là? Pourquoi on vient dans un cercle noir? Il faut pas être dans un cercle noir. Hé, hey, je vais me faire voir. C'est un reliquat de la V1. Ouais, bah écoute. Je teste, j'apprends, je regarde un peu ce que le contenu propose. Là, je suis en train de me chercher des petits trucs que j'aime bien faire pour les faire. Déjà les jeux de cartes, c'est bien. Si le gobelet vous repère, il leur donnera aussi. J'ai pas trop compris le truc. Boum, boum. Ok. C'est tout? Brigadier. Alors, 600 points d'XP, soit... Ouf, le bonus est intéressant. Je préfère faire les mandats que ça, par contre. Le mandat, c'est plus de l'ordre du farming perso, en fait. Perso ou en équipe. On va aller faire les mandats. Parce que mine de rien, ça m'a rapporté beaucoup plus d'XP en faisant deux mandats que tout ce que j'avais fait depuis le début. Alors, apprivoisement. Un dodo sur un bateau. Sérieux, il faut calmer. Ah merde, il faut pas tuer les cibles, faut pas tuer les cibles. Non, arrête. Comment on fait stop attaque?
Attends, vous tentez d'apaiser de deux sauvages et paisibles. Ok, le râteau au plat. Affaiblir aussi pour les calmer avec les potes. Les mots apaisés. C'est uniquement les dodos que je dois calmer, donc je vais bousiller le râteau. T'as mis en pause l'épopée alors. Bah oui non, puisque tu m'avais conseillé de pas trop aller vite, donc j'avais pris en compte ton conseil. Parce que ici je suis level 53, j'aimerais quand même pouvoir arriver level 60. De pas trop XP, bah oui, bah de pas trop XP, si je continue l'épopée, je vais XP. Par contre, l'épopée, tu peux avancer tranquillement. Ok, bah je continuerai. Je suis pas pressé, comme j'expliquais tout à l'heure. Mon but, c'est avant tout de pouvoir m'amuser. Moi, je pense que alors, je recommencerai l'épopée. Prochaine partie que je ferai, je continuerai un peu l'épopée parce que j'étais bien dans l'histoire, j'avais envie de pouvoir justement commencer Evensward, hein, parce que si on peut avoir le fly et tout, moi ça m'intéresse. Merde, il fallait pas que je le tue. Non. Non. Merde. J'ai pas échoué. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, les quêtes entre RR et Evensward ne rapportent pas beaucoup d'XP. Oh bah tant mieux, alors comme ça j'en ferai pas de trop. Ah, ici j'aimerais bien pouvoir faire un donjon ou moins avec mon pugiliste. Même si c'est du DPS, donc je pense pas que je vais avoir énormément de... Mission accomplie, on est bon. Parce que... Ah, d'accord. Par contre, une fois dans Evensward, par contre, ça recommence à rapporter, mais bon. Ouais, Je vais jouer comme j'ai envie de jouer, et je vais voir. Parce que ici, c'est comme j'expliquais tout à l'heure à Yuki. Ici, je suis level 53, je suis encore bon jusqu'au level 60 avec l'extension Evensward. Je regardais un peu pour essayer de voir à combien était Stormblood, mais ici, dans 6 jours, je vais déjà devoir repasser à mon abonnement, enfin, repayer mon abonnement. Et niveau financier, en ce moment, c'est tout sauf la joie. Donc, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir si je pourrais continuer, parce que ici, le problème, c'est que je risque d'être bloqué. Si je peux pas renouveler mon abonnement, ils vont bloquer ma progression, peut-être même bloquer le compte, je pourrais peut-être plus me connecter avec ce perso-ci. Donc j'essaye de faire pour un mieux, pour continuer à faire un stream intéressant sur du Final Fantasy, parce que j'aime bien le jeu. Maintenant, voilà. Faut que je vois. Attirer une récompense. Trop de la balle, ça rapporte la blinde. Faut que je continue ça. Allez, suivant. C'est encore juste à côté. Bah, toutes mes quêtes sont à côté en fait. Trop de la balle. Tac. Comment c'est impossible d'exécuter cette commande sur une monture. Ou niveau recommandé plus 4. Allez, baston. Attends, je vais lire. Récupérer les objets désignés. Vous voyez, des élémentaires de foudre. Ok, on peut juste le poutrer, méchant. C'est surtout parce que tu es là qu'on passe un beau moment. Ah, d'accord, je pensais. Vu le début de ta phrase, je pensais sincèrement que ça allait être grâce à moi. Et pas grâce à. Grâce à Gabi. Je me sens un petit peu
un petit peu délaissé et mis de côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais gaffe que ma femme ne passe pas sur le chat à ce moment-là. Mais moi aussi je t'aime tout plein. C'est beau l'amour. Ouais mais ça fait tellement longtemps que... qu'on se fait des papouilles qu'au final c'est une longue histoire. Je pense savoir si justement Chocobo il a pas accès à des points en plus. Il est rang 5. Points de compétence, j'en ai 2 à placer. J'ai réussi l'aller en cours. Pêche en un éclair. Non, on va aller faire tous les mandats directement. Donc ça c'est bon. Ramassage de fin. Je suppose que le timer est terminé une fois que le mandat est fait et qu'il va pas me dire oh non t'es arrivé un peu trop tard mec, je reviens la semaine prochaine. Ça me ferait un peu que. Ça me ferait un peu rager. Ouais, niveau recommandé plus 4. Œuf de dodo, qu'est-ce que tu me veux toi? Je vais aller prendre directement les œufs du dodo sauvage dans son ventre. T'es level 14 donc tu peux faire des donjons si tu veux. Non, les donjons c'est level 15. Ah, c'est à partir de 12. Hein? T'aurais pu me le dire avant. Et ici, je veux pas dire, mais les donjons de Real Reborn sont plafonnés level 15, et ici, ces conditions ne sont pas remplies, je ne suis pas level 15. Donc, je peux pas inventer les règles, quoi. Donjon. Non, je peux pas. C'est quoi ça? Situé au plus profond du Gold Saucer, l'arène? Il y a une arène! Il y a une arène pour le Triple Triade! Yeah! Et en aléatoire? Opération de guild uniquement. Pour tout ce qui est donjon ou gain de niveau, c'est level 16. Je me disais bien que je sais pas ça bêtement. Zut. Non mais y a pas de soucis, hein, c'est pas de ta faute. On fait tous des erreurs dans la vie, tu sais. J'ai fait l'erreur de te laisser partir un jour
d'un été pluvieux. C'était un mardi. Et il pleuvait. Fort. Sérieux? C'est bien? Ça se passe comment les tournois? Je suppose que t'as plusieurs adversaires, t'as un classement. Vas-y, explique-moi. Vas-y, tease-moi du plaisir. Tease-moi du ouh, de l'épique. Pendant que je ramasse mes œufs pour faire une omelette, un aller en cours. Je m'en fous de l'aller en cours. Moi, je suis là pour défouirailler du dodo. En fait, tu rentres dans l'arène, d'accord. Jusque là, ça vend du rêve. Tu rentres dans l'arène, d'accord. Et tu peux t'inscrire comme pour un donjon, d'accord. Ça, je peux le faire d'ici. Donc, tu es en attente. Ok. T'expliques bien et par étape et en détail. J'aime bien. C'est très précis. C'est un chouïa chiant, mais c'est très précis. Je vais quand même aller taper un dodo, histoire de dire que... De toute façon, l'espèce a déjà disparu, donc on m'en voudra pas. Donc je suis en attente. Et après l'attente, qu'est-ce qui se passe? Et quand un autre joueur est dispo, tu as un combat qui se lance. Ah, donc c'est bien contre des autres joueurs, donc je peux jouer contre des autres joueurs. Et ça, c'est encore plus intéressant. Tu fais 20 combats d'affilée. 20 combats d'affilée. Ah ouais, il faut être motivé. C'est juste à côté. Non. Et tu accumules les points. Oh, j'adore accumuler les points. C'est ma passion. Oui. Yeah. Pas forcément d'affilée. Hein, pas forcément d'affilée. Alors, je dois tuer des jeunes chacals. C'est un tournoi par semaine, je crois. Ok. Ah ouais, donc c'est quand même un truc impressionnant. Il faut que je teste. Il faut que je teste en jeu de cartes. C'est dommage qu'on ne puisse pas échanger les PGS contre des Gilles, parce que je ferais fortune en vivant dans un casino. Je ferais un personnage casino, tu vois. Vaincre les cibles, jeune chacal 2 sur 5, jeune chacal 0 sur 1. Ok, ouais. C'est pas logique cette quête. Donc t'as plusieurs jours pour faire tes matchs. Ok, d'accord. De toute façon, avec les cartes que j'ai pour le moment, ça sert strictement à rien que j'essaie d'espérer une bonne place dans un tournoi. Va falloir que je forme les PGS, que je puisse acheter des cartes un peu plus épiques. Vous avez vaincu un jeune chacal. Et j'ai récupéré une fiole d'éther. Je vais pouvoir aller me shooter derrière un rocher. Jeune chacal 0 sur 1, jeune chacal 4 sur 5. Je ne comprends pas la différence qu'il y a entre un jeune chacal d'un jeune chacal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, je termine les mandats ici et puis je vais laisser une petite recherche de tournoi. Et puis je vais trop kiffer ça et puis à chaque fois que je ferai un stream, je serai en tournoi de cartes. Voilà.
Alors. Ah bah, il pop à ce moment-là. Viens. Plutôt mourir que mourir. Je vois absolument pas la différence qu'il a avec les autres chacals. Yeah. Vous avez vaincu un jeune chacal. Ma vie est tellement épique et tellement palpitante que j'en ai les yeux qui piquent. Bon allez, je rentre tout ça. Alors, retirer une récompense. Il n'y a pas qu'une récompense, j'en veux plein. La récompense est augmentée de 4 par degré de difficulté. La récompense est augmentée pour la rapidité. Ouais, je suis rapide, moi, comme mec. Ouais, level 15. Mandat de mercenariat, mandat de récolte, artisanat. Ok, alors je suis level 15, ça veut dire que j'ai accès à une nouvelle quête de job, de classe. Job, job, job. Alors. Ma prochaine attaque, ce sera justement pointer. Donc on va pouvoir commencer avec la. Ouais. Comment dire, pénétrer plus en avant dans le job de pugiliste, voir un petit peu ce que ça permet d'avoir avec les postures. Donc là ce sera point de terre, le suivant ce sera point de. Il y en avait un autre de point, il me semblait. Voilà, il y aura point de vent. Ok. Ah merde, mon abo est fini, j'ai plus émoticône. Sérieux? Ah oui! Ah, oh, t'as pas renouvelé ton abonnement! Ah, vilain! T'as plus d'émoticône. Eh ben non. Ah, je suis désolé, je pensais qu'une fois que tu mettais un abonnement sur ma chaîne, le premier émoticône restait au moins. Je suis désolé. C'est nul. C'est nul. Pourquoi? Pourquoi? Alors... On peut petite quête pour moi. Plus une quête level 29, quoi, laisse tomber. Ah ouais, j'avais pas vu... Ouais, c'est vrai qu'on a recommencé un mois. Je le renouvellerai, mais pas aujourd'hui. Oh, pas de soucis, je sais que tu le feras, Maxou. Je sais que tu le feras. Bon, allez. Opération de guide, je m'en fous. Gold Saucer. Arène triple triade. Non, attends. Si. Comment c'est? On va tester ça. Ouais, enfin c'est vrai qu'en plus pour renouveler ton abonnement, tu vas arriver dans une période un peu plus creuse au niveau de ton travail, t'es pas sûr de d'être payé tout le temps, donc je peux comprendre, je peux comprendre. Petit filou. Alors, c'est qui là? Triple croupier de la reine. Je fais quoi? Je parle au croupier de la reine en fait. Défi à en savoir plus sur la reine. Je lui demandais. L'arène triple triade est un lieu de prédilection des aventuriers qui ne jurent que par les duels de cartes. C'est pas du tout mon cas, alors là, je t'arrête. Il est bien évidemment possible d'y défier d'autres joueurs directement, mais aussi d'y affronter à de parfaits inconnus en s'enregistrant auprès d'une de mes assistantes. Ah oui? C'est qui le formulaire que je dois remplir? Quel formulaire? Et bien, adressez-vous à elle pour vous livrer à des duels de triple triade, donc, mais aussi pour trouver les réponses à toutes vos questions sur l'arène. J'ai bien une question, mais ça concerne plus l'univers et tout le reste. Je vous souhaite bonne chance dans vos parties à venir. Ok. Donc, grosso modo, s'il y a une personne ici, je peux aller cliquer dessus. Défi à triple. Ouh, qui veut. Qui veut venir me défier? Exact, 42 Yuki. 42. Enregistrement des duels, peut-être. Désirez-vous participer à un duel de triple triade? Je peux vous présenter un adversaire si vous voulez. S'enregistrer pour un duel normal, annuler l'enregistrement sans plus. Non, je voudrais participer au tournoi.
parle à l'assistante et c'est un enregistrement comme pour les donjons. Assistante. Laquelle d'assistante? Parce qu'il en a plein. Tournoi de triple triade. Vas-y, enregistre-moi. Le grand prix de la fileuse se déroule actuellement au Square des Duelists. Qui seront les heureux gagnants d'une carte Cécile? Suspendité son comble. Je m'inscris au tournoi. Oui. Oui. Grand prix de la fileuse, inscription validée. Le grand prix de la fileuse se déroulera du mardi 2 du 7 2019 à 10h au mardi 9 du 7. Ouais, super, j'ai plus que 2 jours quoi. Super. Les duels de ce tournoi ne peuvent être joués que dans l'arène. Pour cela, veuillez vous adresser sur place à l'une des assistantes du croupier. Si vous sortez de l'arène après avoir joué au moins un match de tournoi, vous vous retrouverez automatiquement au square des duelistes du Gold Sorcerer. Ce, afin de permettre de comptabiliser le résultat dans le classement. Vous serez également conduit systématiquement au Gold Sorcerer dès lors qu'il ne restera plus que 15 minutes temps réel avant la fin du tournoi en cours. Et maintenant, tu peux reparler à l'assistante. Oui, oui, 2 secondes, j'attends de lire. Le tournoi suivant commence une semaine après la fin du tournoi en cours, donc en temps réel, pour ne pas perdre définitivement votre récompense, veillez à le récupérer avant la fin de ce délai. Le grand prix de la fileuse de... Oui, je m'en fous. Demandez comment vérifier le classement, savoir plus sur la récompense, savoir plus sur les tournois. Allez, hop, toc. Demandez comment vérifier le classement. Vous pouvez vérifier la place que vous occupez à tout moment en consultant le tableau des classements situé au Square des Duelists. Ok. Okay. Donc, avant de sortir d'ici, pour rester dans le tournoi, il faut que j'effectue mon premier un premier combat. Maintenant, tu peux reparler à l'assistant. Donc là, je suis dans le tournoi. Information de mission. Le premier joueur de l'équipe abandonnée reçoit une pénalité. Je suis qui moi? Je suis bêtement un combat contre... Assistante, je dis bah oui, assistante. Il y a que celle-là d'assistante, non? Ou les croupiers des duels? Non, DJ, mais exprime-toi clairement, il a que des assistants. Les héros ont participé à un duel. Oui. Un duel de tournoi, voilà, il suffisait de dire ça, Maxou. Comment l'enregistrement du jeu lève? Parce que 0 points, récompense aucune, prochain bonus 1100 points ou plus, récompense de pochette triple triade platine. Yeah! Ok. Participer. Yuko Mikado, ah donc c'est un mec qui était là il y a pas longtemps. Point prévu 100, PGS, commencer. Oh, je t'attends, gringo. Ah merde, je suis en rouge, je me dis, oh chouette, j'ai des cartes balèzes. Et non. Hey, c'est quoi ça? Comment ça se fait que j'ai ton cred? Je sais pas, j'ai jamais eu ton cred. Cool. Allô. Ça me perturbe, je suis toujours en bleu quand je joue et là je suis en rouge et j'ai des cartes que j'avais même pas avant quoi. Bon, cette carte là verrouillée, ça va me saouler. Si j'en pose une ici, ça servira à rien. Tu échanges une carte avec l'adversaire en début de partie. Merci. Ah ouais, échange. Ok, d'accord. Dommage. Donc ça veut dire qu'il a une carte de merde. Oh. Oui, j'arrive. Oh, ça pue.
Il aura pas joué la mienne. Dommage, le bleu a gagné. Vous avez perdu. J'ai 40 points, donc. Oh, il y a encore un duel de près. Oh, je pense que je vais faire quelques parties. Allez, on est dans le tournoi, on y va. Pas de règles locales. Règles du tournoi, échange 3 sur table. Ok. J'ai des cartes de merde. Vira. Vika, la main verte. Ok. Bon, on va essayer de jouer intelligemment. C'est les bleus qui commencent. Et il commence avec la mienne d'entrée de jeu. C'est enfin un stratège. En fait, j'ai placé cette carte-ci là parce que je savais que j'allais la convertir. Mais je me laisse deux possibilités de la récupérer, et celle-ci, j'ai au moins cette grosse possibilité là aussi. Et donc, lui, justement, il a placé celle-ci là. Je pourrais lui prendre avec celle-ci et elle verrouillerait ce côté-là, sauf que je sais si ça a l'air possible qu'il ait une 9. Ou alors, ce que je fais... Ouais, j'ai pas d'autres cartes pour bloquer à cet endroit-là. Je vais faire ça en espérant qu'il n'ait pas une 9. Avec ton niveau, tu n'as droit qu'à une, mais tu devrais prendre une carte rare. Donc là, il vient de verrouiller celle-ci parce que j'aurais rien pour lui reprendre. C'est pas grave. D'un autre côté, si j'en mets une ici, je la prendrai pas, mais celle-là, elle servira plus à rien. À part être comptabilisé, il faut réfléchir intelligemment. Si je mets ça ici. Tu peux en acheter au Golf Sauce. Au Golf Saucer. Donc là, il vient méchamment de me faire. Et ah, ça veut dire quoi? Advantage. Chier. Mais au moins je peux récupérer celle-là. Oh là là. Oh, je le sens mal. Oh, il est la squale. Oh, j'adore ce personnage. Ouais, ok. Ex-aequo. J'ai réussi à faire un ex-aequo. C'est au-dessus de 9. Ah, au-dessus de 9, ok. C'est un ex-aequo. Vente et rachat. Obtenir des cartes, échanger des cartes contre eux. Ah, mais j'ai plus assez de PGS pour m'acheter quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu entends par cartes rares en fait? C'est des cartes quoi? 3, 4, 5 étoiles? Ah, je pourrais m'acheter des. Ouais. La dernière fois, j'avais payé la blinde et j'avais eu une carte de merde. Échanger des cartes contre des PGS. Carte tombérée, carte mog. Ouais, celle-là, j'utilise, je vais pas la lourder, quoi. Ok. Une 3 étoiles, ce serait déjà ça. Ouais, c'est vrai. Sauf que... attends, carte 3 étoiles, ça coûte 14 000 quoi. 10 000. Déjà une carte 2 étoiles, c'est hors de prix quoi. La carte Adamant Kelon, c'est 840. Va falloir que je farme méchamment pour arriver à la choper quoi. C'est pas grave. En attendant le prochain combat. Je peux faire des combats en attendant le prochain combat de tournoi. Vérifier l'état de l'enregistrement pour un duel dans l'arène triple triade. Eh, je voulais pas annuler mon enregistrement, non?
Je me suis fait 30K en 20 minutes en me promenant dans le Gold Saucer. Ouais, mais en te promenant, t'as fait quoi Enfin. Quand tu dis te promener, c'est faire le tour ou quoi? Sortie. Je suppose que c'est la sortie vers le Gold Saucer. Je peux plus faire de duel à l'extérieur. Je rage, je désespoir. En fait, pour pouvoir participer au tournoi, il faut systématiquement que je sois dans cette pièce-ci. On va aller farmer un petit peu pour... Bon, là, je suis parti complètement en dehors du leveling, en dehors des mandats et tout ça. Là, je me suis fait encore happer dans le Gold Saucer. Et là, me connaissant, je vais être parti pour un petit peu de temps. Donc, on est... Je vais vite aller à la zone des duellistes, voir un petit peu combien ça va me coûter pour acheter quelques cartes, et voir un petit peu ce que je pourrais faire. On va en profiter qu'on est un petit peu plus nombreux cette fois-ci, pour aller faire le mini cackpot maintenant. Et je vais permettre d'abord à Yuki. Yuki va jouer en premier. Tu es toujours là, Yuki? Parce que j'avais dit que je tenterais de te faire gagner ton... Ouais. Ton, comment dire, ton statut VIP sur ma chaîne, justement en jouant au mini 4 potes, donc tu as la première possibilité. Hop, tac, voilà. Si tu gagnes déjà quelques matchs contre des PNJ, tu débloques des hauts faits qui te filent des PGS. Ok, bon, on va faire ça. Donc voilà. Donc, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, le mini 4 potes, il y a déjà, donc c'est une grille de 9 symboles, de 9 chiffres cachés. Il y en a déjà un qui est découvert, il faut en cocher 3 autres qui vont révéler des chiffres. Ensuite, il faudra choisir une ligne, une colonne ou une diagonale et additionner les chiffres qui sont là. A savoir que l'addition des chiffres va vous donner un résultat et ce résultat va donner des PGS. Et il faut savoir que si Yuki réussit à me faire gagner une des sommes supérieures à 1000 PGS, donc à savoir le 6, ça ce serait super, le 21, le 23 ou le 24, il gagne le statut VIP sur ma chaîne. Et moi je gagne des PGS pour aller m'acheter des cartes. Donc tu m'as dit, il doit faire combien de points pour avoir le statut VIP? Tu dois choisir les ronds. 1, 4 et 6. Alors 1, 4... Oui, il faut savoir que Yuki a déjà pas mal d'entraînement pour jouer avec moi, donc on est assez rodé. Le prochain jouet n'aura qu'à se faire savoir s'il veut participer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, 9. Voilà. Ensuite. Yuki, tu choisis ligne, colonne, diagonale. Je te laisse regarder un petit peu, voir un peu ce qui serait intéressant. A savoir que tu dois viser le 6, le 21, le 23 ou le 24. Première ligne. Donc celle-ci, avec le 3, vous fonctionnez comme ça. Bah oui, on fonctionne comme ça, tu fonctionnes comment, toi? Non, en vertical. Ouais, c'est parce que t'as mis ligne, pas colonne. Ok, donc 3, 4 et... 5. Je viens de gagner 108. Ah zut, c'est pas grave. J'ai encore deux tentatives. Est-ce que tu laisses ta place? Est-ce que pas? Je sais pas. Au suivant. Qui se propose? Maxou? Ok, vas-y. Oh, t'as déjà le statut VIP, hein, donc tu pourrais éventuellement l'offrir à quelqu'un. Suivez mon regard. Vas-y, je t'écoute.
1, 5 et 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Savoir qu'ici tu as déjà un 9 et un 7, ce qui te fait 16. Donc, tu es déjà ici sur le tableau. Il suffirait de rajouter au moins un 5 qui est là malheureusement. Donc un 6 serait bien. La troisième verticale. Celle-ci. Je demande toujours confirmation, hein, puisque comme c'est vous qui jouez, je préfère éviter de faire une bêtise. Oui. Ok. 306, bien, t'es pas passé loin. T'as eu un 4, t'aurais eu le 6, c'était nickel. T'aurais eu le 6. Ah ben non, même pas le 6 parce que c'était un piège, t'aurais été à 22. Ok. Au suivant. Il me reste encore un tirage possible. Je ne sais pas qui a envie de se lancer. Si personne se lance, j'offrerai la possibilité à Yuki de le faire. Comme ça, il pourra tenter sa chance pour gagner le VIP. Doum, doum, doum. Personne. Personne. Allez, lancez-vous. Lancez-vous. Toujours personne. Ok. 3, 2, 1. C'est pour toi, Yuki. Vas-y, je t'écoute. Ok, vas-y. Lance-toi. 5, 3 et 9. 1, 2, 3. Attends, 5, 3 et 9, ouais, d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La diagonale te met déjà à 21. 21, tu serais à 1080. Est-ce que tu vas choisir la diagonale ou est-ce que tu vas tenter une autre folie? Je pose la question. Est-ce que tu pourrais tenter éventuellement autre chose? A savoir que ça risque d'être assez compliqué. Allez, la diagonale. J'ai bien calculé quand même. J'ai bien calculé. 7 plus 5, ça fait 12, ça fait 21. 1080. Un grand GG pour Yuki. Hop, je vais faire ça en direct, je vais aller te mettre ton statut VIP, mon petit garçon. Hein, c'est bien ça. Oh là là. T'y es arrivé. Je suis en parallèle du jeu, vous avez qu'à regarder ma tête, là je suis sur mon autre écran. Je vais dans mes paramètres. Paramètres. Alors, je sais plus où c'est par contre. Modération. Non, c'est pas là-dedans. Chaîne. Je sais même plus dans quoi je suis censé les mettre. Dans rôle. Voilà. Alors, je vais ajouter. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent un pseudo comme le tien. Alors, Yuki Mushide. Et voilà. Félicitations à toi. Je serai peut-être dispo en jeu demain soir si jamais. Ça, ce serait cool. Et si tu es dispo demain soir, est-ce que ça te tente qu'on continue la quête ou tu veux faire du leveling à plus haut level? Bon, j'allais taper un peu la carte. C'est où? C'est là-bas. On verra, on verra.
bah, sur le moment. Alors, moi ce qui m'intéresserait, bah, la carte Mog. Ah d'accord, en fait quand on sait quelle carte on va avoir, il nous la révèle, mais à ce moment-là on peut la revendre contre des gilles, ce qui est intéressant. Donc, je vais pas faire contre lui vu que j'ai déjà gagné cette carte-là, j'aimerais bien gagner des nouvelles cartes un peu plus puissantes, ou au pire gagner... Gagner des PGS. On pourra envisager quelques donjons. Nice. Des donjons toi en heal et moi en tank ou avec les rerolls. Bah tu vas pas reroll 40 fois en fait. Ok, alors ici, je sais pas pourquoi il a mis ça là, mais c'est le. C'est l'IA, hein, donc il a pas réfléchi. Je vais pouvoir y mettre une carte pas trop. Ouais, celle-là elle est bien. 3 sur table, plus. C'est quoi plus? Plus retourne les cartes adjacentes dont la somme des chiffres donne le même résultat sur moins de côté. Oh là là, retourne les cartes adjacentes dont la somme des chiffres donne le même résultat sur au moins deux côtés. Parce qu'en plus il faut faire des calculs comme ça. Oui oui j'ai compris. N'importe, de toute façon les donjons sont cap donc je peux heal même des donjons plus bas. Moi ok, pas de soucis. Merde, allez c'est pas possible hein, ça. Oh, bourrin. On recommence. On verra ça demain alors. Demain, attends, je réfléchis. Demain, on est mardi soir. Ouais, pas de soucis. Pas. Retourne les cartes adjacentes dont la somme des chiffres donne le même résultat sur au moins deux côtés. Ça veut rien dire. 2 plus 4 plus 8 plus 7. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. On dit Jal. Godferdom. Celui-là ça va être galère. Celui-là c'est pas possible. Oh, j'ai encore perdu. Pourquoi je peux le mettre là? Ça sera obligatoire de toute façon parce que j'ai monté mon érudit 60. Ouais ok bah je vais te rejoindre. Je vais pas trop traîner de toute façon. Plus. Ouais, j'ai rien capté à ce qui s'est passé. J'ai gagné, je m'en fous. J'ai gagné que des BGS. Rage au désespoir. Je suis un mec en slip qui se balade dans le truc. Tu me vends quoi comme rêve? C'est tout. C'est naze. Eh mais attends, Yuki vient de me faire gagner la blinde de PGS. Ouais là je peux m'acheter la monkélose. Hop, j'espère qu'elle est bien la carte Mog, je l'ai déjà, la carte Oppo Oppo. Et on sait pas visualiser les cartes. Si tu bats toutes les personnes de la pièce, tu gagnes dans les 5K. Ouais, il faut arriver à les battre. Je pense que j'avais supprimé le message de Gabi en question. Alors... Je suis censé faire confiance à la carte pour me dire elle est bonne ou quoi. Je fais quoi? J'achète une triple triade argent. Une pochette contenant une carte du jeu triple triade choisie au hasard parmi 8 modèles différents. Degré de rareté moyen. Ouais, j'achète. Je suis fou. Je suis fou. J'ai plus que 56 PGS, je suis un malade.
Ouh, 3 étoiles, carte Urianger. J'utilise. Bon, j'ai de la chance sur ce coup-là. Carte Mog, carte Tomberry. Ah, mais ces deux cartes-là, je peux les revendre. En fait, c'est ça que je peux revendre. Ok. Stylé. N'est-ce pas? J'ai même pas encore été regardé. Ah, Gold Sorcerer. Carte. Alors, Urianger est une 7-8-4-1. Et la dame en Kélone, donc c'est la grosse tortue, c'est une 4-4-5-7. Et je prends. Je. Hop. Alors. Tac. Ok. Lui, de base. Lui, aussi. Le Mog peut être intéressant, mais peut se révéler très vite problématique. Le Kobold, c'est une 2, 2, 4, 6, peut-être. Lui, il est bien parce que c'est des 5, donc c'est moyen, mais il y a 2, 2 qui posent problème. Lui, c'est une 4, 2, 5, 3. Tu peux pas. Comment ça, je peux pas? Ah, un trop grand nombre de cartes rares. Non. Une seule rare à ton niveau. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par rare? C'est rare, c'est au-delà de une étoile en fait. Plus de une étoile, ok. Alors, enregistrer. Alors, on va tester ça en live. Je vais voir si j'arrive à passer la dame de cœur, par contre. Parce que elle a déjà des cartes 7-7-8-8. Mort subite obligée, dueliste à rejouer en cas d'égalité, et ce jusqu'à ce qu'un vainqueur soit proclamé. Ça peut être une partie à rallonge. Alors, qu'est-ce que je vais placer d'entrée de jeu? Lui, j'aime bien le placer là. J'ai un bonus. Un bonus. Qui n'a servi à rien. Strictement à rien. Et que je suis déjà bloqué. C'est la plus forte, mais j'y suis arrivé par chance au 20e essai. 20e essai. Mais tu es fou, ma parole. Ah bah si tout le monde a des bonus dans ce truc, ça sert strictement à rien en fait. Attends, il a... C'est des cartes 4 étoiles à chaque fois quoi. C'est exabusé. Bonus, plus 2. Oh, il a mis une fille là. Rouge a gagné. Ouais. Je vais aller tenter l'as de trèfle. Trois sur table, ordre. Alors, contraint les duellistes à utiliser les cartes dans l'ordre où ils les ont enregistrées dans leur jeu. Ouf. J'y vais pour aujourd'hui. Merci d'être passé, Maxou. Ça fait toujours plaisir, et tu mets toujours l'ambiance du feu de Dieu. Et il me l'a piqué. Oh, quel bâtard. Toujours un plaisir, Max. Execo. Merci. Ok, je vais faire un execo, on va la retenter.
Ah, peut-être que je change l'ordre de mes cartes par contre. Bon. Peut-être qu'aléatoirement ça les a mis différemment chez lui, je sais pas. Ex-écho encore. Non, Godferdom de Godferdom. Allez, on retente une fois. Si ça passe pas, on essaiera autre chose. En même temps, la Dame de Cœur, c'est censé être une pièce maîtresse. Donc elle doit être plus forte que tous les autres joueurs dans la zone. Et merde, je me fais avoir à chaque fois. Encore un ex-écho. Ok, on va pas se ruiner plus. Ouais, on va tenter le roi parce que techniquement le roi est censé être vite évacué d'une pichenette. Donc... Alors, retourner carte adjacente dont la somme des chiffres donne le même résultat sur au moins deux côtés. Ouais, cette règle là, je. On va voir. Ne pas comprendre les règles d'une partie, c'est un peu compliqué dans le sens que c'est stupide. Mais. Attends, je vais lui laisser l'avantage. Pour voir un peu les conneries que je vais devoir. Ouais, en fait, je vais devoir attraper trop de conneries. Oh la vache! Ok, il y a de méchantes cartes en fait. J'ai jamais fait une aussi mauvaise partie. Ok. Je vais m'arrêter ici, c'est un peu tôt, mais il me faut quelques heures de sommeil parce que hier soir les petits étaient bien bien pécho. Bien péchu, pardon. Pécho, c'est autre chose. Pas encore, j'ai encore quelques années avant. Donc, ouais, bah, y a pas de souci, Yuki. Merci d'être passé, merci d'avoir passé la soirée en ma compagnie, en notre compagnie. Et félicitations pour ton statut VIP. Tu vas peut-être pas le sentir tout de suite, hein, mais t'inquiète, quand y aura un peu plus de monde, tu vas le sentir. Donc, on se retrouvera demain soir. A priori, je vois pas pourquoi on se retrouvera pas demain soir. Sur du Final Fantasy, vu que Maxou sera là et bah, Yuki est déjà là de toute façon, on essaiera peut-être de faire un truc à plusieurs. De toute façon, ce sera sûr, on partira sur du donjon avec Maxou. Maintenant, savoir si ce sera du reroll, pas du reroll, on verra. On verra. Donc voilà. Et je vais en profiter que je suis en direct, on regarde, enfin pour Maxou qui est parti, il regardera peut-être la fin de la vidéo sur YouTube. Ici ça va être une période un peu compliquée dans le sens que c'est les vacances scolaires, que mes enfants ne vont plus chez les gardiennes pour le moment, donc en après-midi ça va être assez compliqué à faire des streams. Quand il y aura des streams en après-midi, ce sera les éventuels jours où ils seront chez les grands-parents, donc je sais pas quand et je sais pas si. Donc on verra. En soirée, je vais les maintenir. Je réfléchis. Et ça, c'est sûr à partir de la semaine prochaine. Cette semaine-ci, donc demain, ça va être pareil. Il y aura qu'en soirée.
Mercredi, ce sera en soirée et la journée, ça va être assez compliqué parce que j'ai pas mal de rendez-vous IRL. Et jeudi, malheureusement pour ma chaîne, mais heureusement pour la chaîne du Bistrot des Gamers, jeudi et vendredi en après-midi, ce sera sur la chaîne du Bistrot des Gamers. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou en après-midi, c'est toujours assez sympa, il y a toujours un peu plus de monde pour papoter, pour le moment. Et on continuera sur du Path of Exile. Je suis arrivé en endgame, donc ça je dis ça pour toi Yuki si ça t'intéresse. Je suis arrivé au niveau du endgame, je suis en train de faire le mapping avec mon God of Thunder. Donc là j'ai déjà commencé, je peux faire des maps de tier 2, donc c'est toujours intéressant. Je suis en train de farmer les tiers 2 parce que j'ai besoin de cartes de tier 3 précisément. J'ai vu 71, ouais. Ouais. Donc j'aimerais bien avancer dans le mapping puisque l'objectif c'est quand même d'arriver au bout. Donc le tier 14, un truc comme ça. Donc on n'y est pas encore, on verra. On verra. Donc voilà, ça ce sera pour jeudi et vendredi. Passez une excellente soirée, une fin de soirée. Passez une excellente nuit, dormez bien. Faites de beaux rêves. Et on se retrouve demain soir. Salut, salut. Je vais en profiter avant de quitter pour faire le petit traditionnel. Un petit host ou un petit raid, je sais pas. Vu qu'on est 4 pour le moment, je vais en profiter. En profiter, c'est une manière comme une autre de voir du nouveau contenu. Qui c'est que je pourrais envoyer? Moyen. Pas grand monde. Moi, pas grand monde. Donc voilà. Ce sera pas pour ce soir. Allez, on se quitte là. Passez une bonne nuit et à demain. Salut, salut!